Médina d'Essaouira fait peau neuve grâce à ce programme qui mobilise des investissements de l'ordre de 300 millions de dirhams. Cette visite royale donne une forte impulsion aux efforts de mise en valeur de cet espace à haute valeur patrimoniale. Elle témoigne de la volonté constante du souverain de préserver le cachet architectural de la ville de Mogador, de promouvoir son rayonnement culturel et touristique et d'améliorer les conditions de vie et de travail de ses habitants. Cette visite royale illustre également la détermination du souverain à suivre de près ce chantier de réhabilitation qui bénéficie aux 13 000 habitants de la Médina. Un programme qui porte sur 26 projets et s'articule autour de 4 principaux axes: la réhabilitation de l'espace urbain, la restauration et la mise en valeur du patrimoine historique, la promotion de l'accès aux services sociaux et le renforcement de l'attractivité touristique et économique de l'ancienne Médina d'Essaouira. Élaboré conformément aux instructions royales, ce programme enregistre un taux d'avancement de 16% au niveau des travaux de réalisation et de 75% pour le volet des études. Un programme qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés sous l'impulsion du souverain, avec pour objectif la préservation et la mise en valeur des anciennes Médinas dans plusieurs villes comme Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès, Meknès, Salé et Tétouan.